Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et re-bienvenue à la saison 3 du podcast Un potin avec ça. Le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. Et on tient à remercier Girl Crush, que d'ailleurs on porte du beau linge Girl Crush, parce qu'on tourne dans leur studio présentement. Puis, ma gang de fous, vous allez avoir un code promo pour commander. C'est oui. Potin 15 pour 15% de rabais, fait que profitez-en, le lien est dans la description. Et le podcast est présenté par Eros et compagnie, qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou. Les sex shops Eros et compagnie proposent une large gamme de produits à des prix plus que commanditaires, en plus d'un service hors pair en boutique et en ligne. Et on a également un code promo pour vous qui est Potin 15 pour 15% de rabais pour aller faire vos petits cochons. Ben là, ça vaut vraiment la peine. Spécialement, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par les bijoux Fervido, oui, qui est une compagnie québécoise fondée par notre amie Juliette, exactement. Ces bijoux sont trop cute. Puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils ont des boîtes mensuelles. Ça, c'est vraiment le fun. Oui. C'est comme si tu t'abonnes à une revue, mais tu reçois des bijoux chez vous, qu'elle personnalise chaque mois pour la personne que tu es. Tu réponds à un quiz, puis elle te fait des bijoux que t'aimes. Et justement, c'est un rapport avec notre invitée de la semaine, Mona. Bonjour! Ben oui, bon salut mes petits bébés! Je dois avouer, j'ai trippé sa phrase 15% de rabais pour faire vos petits cochons. C'est venu me chercher personnellement. Ça vaut la peine. Eros et compagnie font partie prenante de ma vie. Ben oui, ben j'ai oui. J'ai tellement de stock, je trouve ça malade. Et j'espère que tu vas trouver ça aussi malade de faire vidéo parce qu'on a parlé à Juliette pour savoir qui elle voulait sponsoriser, en fait. Quel épisode elle voulait sponsoriser dans la saison. Et elle t'a choisi pour te faire un bijou personnalisé. Juliette, t'es bien qui? La Mona. Ah, oh, c'est écrit mon nom! Mais oui! Je suis donc bien touchée, sacrement. Oh, Juliette, t'es où? T'es là, Juliette? Juliette! Oh, coucou Mona. Quand on s'est vu au théâtre du Petit Champlain en octobre, tu m'as dit que tu avais moi aussi des bijoux cheapettes, donc oui, je l'ai vu. Ok, oui, je me souviens c'est de bon. Qui on parle. Je dis, ouais, ok, donc je t'en ai fait un de qualité juste pour toi. J'espère que tu l'aimeras, Juliette. Merci, Calvaire. C'est et cool. Tu reviendras, écris-moi, tu reviendras au Petit Champlain. Gratis. On va se chugger du vin dans l'âge. Ben, c'est ça. Oh, puis c'est un bijou de tout acabit, là. C'est en drague et hors drague. Exactement, là. Tu peux le porter. Là, c'est juste cute. Je suis tellement rendu un but de moi-même. J'adore porter mon propre nom. Ben oui, il faut. C'est quand même mon nom de Grenoble qui a gagné Big Brother Célébrité 3. Ben, tu sais, contre toute attente. Ben, c'est ça. Une fois qu'on a sorti le monde qui méritait réellement, c'est tombé sur moi. Ben non, pas partout. I love it, though. Merci full. Puis le lien est disponible dans la bio pour vous procurer des bijoux Fervido. Fait que faites vite. Il y en a pas beaucoup, non, c'est pas vrai. Il y en a quand même beaucoup, mais faites quand même vite. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a un sujet pas mal crunchy pour toi. Qu'on a choisi juste pour toi. Parce qu'on savait que t'es un peu cochonne. Fait qu'on est allé pour les pires histoires au lit. Ah, oh, love it! Ben oui, j'étais extrêmement salé, moi, dans ma carrière, c'est de donner des pierres au rond au monde. Ben, regarde! Exactement. Fait que là, on a des histoires de nos abonnés qui nous ont raconté leur vie sexue. C'était du lourd. Ah ouais? C'était... Des fois, je disais des choses et j'étais comme, finalement, j'ai pas une vie si belle. Ah c'est ouais? Ça. Ben, souvent, ça arrive. Quand tu demandes à tes abonnés de t'écrire des affaires sur le vie, tu fais comme, OK, oui. Am I boring? C'est ça, mais ouais. Là, j'étais comme, am I boring ou am I chanceuse? Ouais. Ah, honnêtement. OK, ils se sont livrés à ce fuck-là. Oui, parce que c'est anonyme. Tu comprends? Avec les gens, là, ils déversent, là, leur c'est plus anonyme. Gros secret. OK. Est-ce que c'est bon, par exemple, tu dois lire des affaires quand même hyper trash. Il y a des trucs, des fois, j'étais comme, OK, là, je peux même pas le mettre parce que c'est trop it's too much. comme, je veux pas non plus traumatiser les auditeurs à la maison, mais on a quand même une très belle sélection. Sérieux, je veux accéder à cette boîte courriel-là. Est-ce que avant t'as une histoire qui vient en tête que t'es comme... Mes ça, là... pires histoires au lit, non. Non, ouais. Honnêtement, non. T'étais vraiment dans la chance? J'ai été quand même chanceux. Des choses qui se passaient bien, puis tout. Des choses qui étaient plus complexes, là, lorsqu'on on est appelé à s'asseoir là, sur une viande assez impressionnante. Là, mais au-delà de ça, rien de fucking wrong. Okay. Un petit accident occasionnel, tu sais de quoi je parle. Ça là, peut ouais. arriver à tout le monde, là, maintenant. Ben, quand on joue dans les sentiers boiteux, ben, on voilà. s'attend... À avoir de la... Rien qu'un nice. Chamois ne peut pas régler. C'est-tu clair? Tant que tu fais pas ça sur des draps santé, ça pognera pas. Fait que non, assez chanceux. OK. C'est assez chanceux. Ça m'est mais déjà toi, arrivé juste de tu poses la question, mais est-ce moi, qu'on peut... Lord. Est-ce que vous êtes tous boring à ce point-là? Toi, t'en as? T'en as, des... t'en as plusieurs? Moi, j'en ai. Oui, moi, j'en ai une.
Mais c'est qu'on essaie de se filtrer en même temps. Tu sais, là, je pense, j'en ai aussi que c'est pas au lit, là, c'était dans une voiture et les agents de la paix sont venus cogner à la fenêtre pour dire c'est illégal ce que vous faites. Alors, on se relève les shorts et on poursuit notre bonhomme de chemin. Je comprends. Ça arrive à tout le monde, ça arrive au meilleur. Puis c'était genre dans mon vieux Sean Camry 98, j'étais combattue. Ah oui, il faut se plier. C'était l'enfer. Ah, c'est bon. Moi, ça m'est arrivé une fois. Mais là, c'est un peu dégueulasse. Mais quand je vais quand même vous raconter parce que c'était comme quand même quelque chose. C'est pas elle que je pense. Oui, c'est ça que tu penses. Fait de quoi avec un gars de Grindr, évidemment. Et puis, le gars est arrivé et il n'était pas propre. Okay. Mais genre, pas à l'intérieur, dans le sens au niveau de... On parle ici de la verge? Non. J'ai fait de l'oral, mais il ne s'était pas bien essuyé précédemment. Oh, on n'a pas des petites boulettes de papier. Non. De la merde. De la pure et sincère merde. De caques. J'étais traumatisé parce que j'étais comme... T'en as mangé, genre? Mais non. Okay. T'as vu avant, là. Tu t'es pas... Let me taste that. OK, tu t'es pas pitché à dedans comme le buffet à salade sur Scores. Non, dès que j'ai vu... J'ai fait, OK, là, on va y aller. J'ai tout donné pour qu'il vienne très rapidement. Exactement. Tu l'as amené dehors, tu as branché la hausse, tu l'as sprayé. Parce que, once you go there, quand tu trouves quelque chose de dégueulasse, tu peux pas juste faire, hey, ça me sent plus. Ben oui, tu peux. Of course. Mais c'est un peu j'ai trop d'égo pour être comme... Bon, finalement, j'ai changé d'idée en cours de route. Genre, je suis comme... Fois, quand tu trouves des choses, tu bouges ton nez. Ferme les yeux, tu pleures en silence. C'est ça, puis c'est ce que j'ai fait. C'est triste! C'est pas ça qu'on vous recommande à non, la non, maison. Non, pas du tout, là. Mais non, c'est non. Ce qu'on a fait. Tu peux lui dire d'aller se laver, c'est pas de l'archéologie, faut que tu creuses, te rendre au snack, là, Chris. Non. Exactement. Moi, il y a un gars que j'ai vu plusieurs fois, quand même, que c'était pas tout à fait mon genre, là, idéologie politique différente, un peu imbu, tu sais, mais vraiment une belle viande, tu sais. Fait que ça s'est donné plusieurs fois, quand même, puis à un moment donné, on termine, tu sais, puis là, on s'en va fumer une petite cigarette, tu sais, puis il me montre un carnet dans lequel il y a 348 noms. Et j'étais le 349e. Il notait tous les gars. Et puis, je suis là, je n'aime pas. Il n'y a pas de nom. Mais non. Moi, c'est le fait que tu tiennes un carnet que je reconnais des noms. C'était dans le village. C'était un petit village. On se connaît tous. J'étais comme, oh mon Dieu, scary. C'est mon prof de primaire. Genre, tu sais. Est-ce qu'il t'a mis une note à côté? Non, il n'y avait pas de note. Il y avait juste nos noms. Juste pour s'en souvenir. Mais mon ex faisait ça. Mon ex, un de mes ex. Il note tellement. Il note tellement dans son cellulaire. Puis j'étais comme, OK, mais il y a tous tes amis. Puis j'étais. Il me semble que c'est un peu lourd. Oh non! Ouais. Mais moi, j'aime mieux pas tenir un registre. C'est ça, un registre, je trouve ça épeurant. Fais-le. Fais-le. Aucun problème. Mais je veux pas savoir, je suis arrivé quand. Tu sais, je veux pas savoir, je suis combien dans la liste. C'est ça. C'est épeurant. Ouais. Je suis bien d'accord. Je suis très hypochondriaque en plus dans la vie. Je me dis d'un coup, tu m'as donné le rhume. Tu sais, fait que... Ben, ce serait bien plate. Ouais. Après 348. Le rhume ou la gonorrhée. C'est un passé si bien. Amidité. Ouais, amidité. Réfléchissez. Moi, je pense qu'une de mes pires fois, c'était ma première fois en fait. Le gars m'avait dit ça va faire moins mal en doggy. Ah, on voit un fin connaisseur. J'ai hurlé. Je me rappelle de regarder genre au loin et de me dire il y a des femmes qui accouchent. Mon Dieu, mais comment... c'est triste ma belle. Là. Ouais. Non, mais j'étais dans le sens comme comment ça se fait que ça fait What mal? The hell? Ouais, comment ça peut arriver? Qui aime ça genre J'étais comme je comprends pas pourquoi les gens ils aiment le sexe, mais en fait c'est juste lui qui était nul à chier. Mais moi c'est la première fois. Ouais. Tu l'as-tu nommé? Ben non, j'ai dit Charlotte à toi. Ah, j'ai compris Charles quelque chose, j'étais comme oh mon Dieu, Charles, bravo. Moi aussi la première fois c'était surprenant quand même, on s'y attend pas, c'est un peu nerveux. Quelqu'un moindrement c'est pas quelqu'un qui prend soin son temps, tu sais, j'étais comme OK, I guess que c'est comme un élastique, ça se travaille, c'est ça, je sais c'est pas. Ça. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi, mais je pense que c'est juste d'être habitué, d'être avec les bonnes personnes. Mais ça, on est rendu des grandes cochons, ça va, là. Oui, des trois truies de Satan autour de la table en ce moment. Absolument. Absolument. Exactement. Il fallait juste des pratiques, tu sais. Les gens sont vraiment stressés la première fois, ils sont comme c'est la seule fois de ma vie, c'est ma première fois. Mais je te le dis, tu sais, ça aide la corps, les amas. Ouais. Mais relax, respire, là. Faut pas être trop rigide parce que c'est là que tu te blesses, tu sais. C'est personne n'est à l'abri d'une. C'est ça. Non, exactement. C'est ce qui nous amène aux histoires de vous. Nos abonnés. Vos histoires. Cette syntaxe tout est exceptionnelle. C'est ce qui nous amène aux histoires de vous, la gang. Donc, Mona lit histoire là. Merci. Oui. OK. L'histoire du numéro de type 1. Exactement. OK. Un gars m'a invité chez lui.
entre parenthèses, Tinder booty call. Oh. Et je parle du nez, je suis désolé, le taux de pollen est écœurant. Je suis désolé, la gang, j'ai la COVID, j'espère que ça ne dérange pas. Pas qu'une malade. Et je revenais d'une longue et bien arrosée soirée du drag et du Dagobert à Québec. Mm-hmm. Alors là, je ne sais pas où me situer. Est-ce une femme qui est allée au drag je et au Dagobert? Je pense que c'est un homme. Ce n'est pas un homosexuel, il n'irait pas au Dagobert. Il ne faut pas se faire violence de même dans la vie. Là. Mais je pense... Tu es allée au Dagobert? Non. Ouais, mais c'est de la lourdeur. T'es peurant à ce place-là. En vrai, j'étais trop apeurée. Moi, je suis allée à côté aux zones, genre... Ouais. Ça me faisait moins peur. Je connais pas le zone. Moi, non, j'allais au drag ou je bois à l'hôtel. Je reviens de Québec, là, je suis pas sorti. Je bois dans la ruelle à gauche. Bois dans la ruelle à gauche. Ouais. Non, mais je pense que c'est un gars parce qu'il dit « je suis alcoolisé ». Pas de E. Je suis partant. OK, c'est un gars. C'est un gars. Tout le monde. C'est confirmé. Ouais, puis il fait pas de faute. Homosexuel. OK. je préviens le gars que je suis alcoolisé, mais je suis partant de venir pour qu'on s'amuse. Une fois arrivé là-bas, le gars est celui sur ses photos. Il est gentil et surtout vraiment mon genre physique. Okay. Peu de temps après, dans sa chambre, on commence à faire des trucs. Trois petits points. Puis là, ouf, ha ha ha. On dirait que c'est eux qui nous textent. Ouais, c'est un ça. Message texte. Il me demande, je peux-tu te demander de quoi, mais promets-moi de pas mal réagir. Je réponds « Ouais, ok, vas-y. » Et il se lance en me disant « Est-ce que tu as pris ta douche aujourd'hui? » Oh mon Dieu. Non. Oh mon Dieu, c'est toi, c'est celui avec qui t'as couché. Il parle de toi, Zoé. C'est exactement l'histoire que tu viens de nous conter. Dieu. Je me mets à stresser, je réponds « Ben, je l'ai pris avant le bar, mais on peut aller dans la douche si tu veux. » Là, il me répond « Non, va surtout pas te laver. Ah. » Il a... Ah! Oh, okay. Il y a un revirement de situation. On king shame pas. Il enchaîne en me disant « Est-ce que t'as envie caca? Oh... Ah non, c'est écrit, est-ce que t'as envie de caca? Ça, je trouve ça super enfantin, ça m'écoeure comme phrase. As-tu envie de caca, ma grande? Je suis vraiment ça à ce moment-là, je me dis, ouf, je vais bientôt être malade, mais pour bien paraître, je réponds, non, j'ai pas envie. Est-ce que je pue? Est un peu coquette. Lala, il me dit non, mais en fait, j'aimerais que tu ailles aux toilettes et que tu ne t'essuies pas et que tu reviennes ici. Parce qu'elle ne veut pas avertir avant, c'est surtout ça. Ouais, ça s'écrit, tu sais. C'est encore moins gênant si tu l'écris d'avance que de le dire en face. Oui, c'est puis ça. Puis quand même, parlant de ça, là, ouais. T'as chié aujourd'hui, tu sens t'essuyer. Qu'est-ce que t'as mangé, là? Reviens-tu des pluchettes à tout hasard? T'es cœur, hein? Non, mais dis le d'avance, tu sais. Parce qu'après ça, quand t'es devant le fait accompli, mais t'es non, un peu chaud. Ça te rend mal à l'aise. Je vais pas te chier dessus. J'étais vraiment cœur sensible à ce moment-là à cause de l'alcool. Le sujet me lève le cœur aussi et je me force de répondre sans vomir. « Ah, tu veux que j'aille chier puis que tu lèches mon cul avec du caca? » Sacrament, les chums! Il me répond « Oui, j'aime vraiment ça. Et tu danses? » S'en suit un « ha 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 » digne d'une histoire de film. Je le regarde pas. Je regarde devant moi et je vomis partout son lit. C'est un cauchemar, ce catophile. Oh non! Le gars était fucking insulté. Il m'a traité de salaud et de crise de cave. Red flags. Hein. J'étais hyper mal à l'aise, mais j'avoue que ça m'a vraiment levé le cœur. Ha 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 ha. Il m'a bloqué. Je l'ai jamais revu. Dieu merci. Fun fact, j'ai un ami qui a date ce gars-là aussi. Il lui a demandé la même chose et que mon ami a refusé. Il est offusqué contre lui. Mais là... Là, la gang, là. Tu peux pas imposer ça à quelqu'un s'il dit non, le traiter de salope. Mais non, ça va, les gars. Mais je pense là. Qu'il était fâché aussi parce que vomi partout dans son lit. Mais tu sais, des fois, quand t'as déjà le cœur sensible. Écoute, il a dû être 13 de chartreuse, c'est tu ça. Sais. Là, il est dévissé. Là, il est quand même. J'ai une petite idée comme ça. Ça mettons. Laisser des chunks de marde dans ton. Non. Hear me out, là. Le mettons. Gars, il a juste fait. Oh! Mettons, je me couche, tu sais, puis tu t'assois sur mon chest, puis tu me dis, j'ai un cadeau pour toi. Mettons, tu sais. Idée comme ça. Ouais, ouais. On jase pour jaser, on parle pour parler. Puis je suis en tabarnak, mais non, ça n'a pas de bon sens. Oh my god! Non, c'est ça. Genre, si t'as un king, peu importe c'est quoi le king, parle-en avec la personne avant d'arriver sa date. Parce que là, c'est un peu surtout que si tu le proposes de ne pas être fâché si l'autre n'est pas dans. Non, surtout qu'on s'entend que c'est quand même. C'est rare, tu sais, c'est plus rare. Moins commun. Ouais, c'est ça. Pis Dagobert, drague, c'est pas une place d'où tu reviens propre et à jeun ben, nécessairement. C'est ça. Mais je pense que c'était ça son. Mais au début, il avait planifié son affaire. Au début, je pensais vraiment que la date allait dire tu pue la marde, mais finalement, il voulait qu'il pue la marde. Ouais, il voulait une petite cerise du Sunday là, tu sais. Et là, moi, j'adore toutes les métropoles du monde. Oui. Ok, Milan. Sao Paulo. Mais ça se passe à Québec. Coïncidence, je ne crois je pas. Je ne crois pas. Ça en dit long. Je vous aime, Québec. Bon. Sur ce, je vais lire la prochaine histoire. Ah, si, les amis. C'est ça commence fort. Okay. On est vanille, finalement. Ouais, c'est ça. J'ai eu un one night avec un gars que j'ai trouvé sur Fruits. OK. Il avait l'air cute physiquement et assez mon genre pour une nuit seulement. OK. Il est cute, mais pas tant que ça. C'est ça. Pour une nuit, ça passe. C'est ça. Quand j'arrive chez lui, il m'invite tout de suite dans sa chambre. Quand il a ouvert la porte, je suis resté bouche bée.
Le gars avait une chambre complète de Star Wars, incluant le lit, la commode, des posters, des figurines et des éclairages au plafond. Oh my God. On aurait dit un musée. J'étais vraiment mal à l'aise, mais je me suis dit que j'allais prendre sur moi et que, au pire, son lit de Star Wars devait être confort. Oh my God. T'as vu comme bien. Au pire, à la limite, tu sais. Je restais positif jusqu'à ce qu'on commence à se coller avant de passer à l'acte et qu'il me demande de mettre un casque de Darth Vader. Non! Impossible! Non, cosplay, là, va trop loin. Pour comme... vrai? Tu confonds. Ouais. Dis-moi que t'es mon père. C'est sûr qu'il y avait un condom sur ceux qui allument dans le noir, là, c'était genre son... Ouais. Ah, c'est okay. Bon, c'est là. T'aurais fait quoi? Je sais pas. Ben, j'aurais proposé qu'on fonde dans le salon, parce que la chambre de même, oui, c'est, ça. Genre, c'est ta passion, fine, je respecte oui, ça, mais tu sais, je veux pas avoir l'impression de copuler ou ouais, d'une chambre d'enfant, comme non. C'est un peu chambre d'enfant. Ouais, j'avoue que c'est un peu, oui. Allons dans ma voiture. C'est ça, ben oui. Non, mais j'aurais peut-être fait ça, mais là, ouais, se mettre un casque, là, de... C'est un peu next level. Ah, oh, ouais. Surtout que, comme... C'est pas une personne que j'aurais pensé que quelqu'un voudrait en cosplay, genre. Ouais, c'est ça. Le premier personnage Vader, que je me dis. Ouais. Je voudrais le fourrer. Ouais, non, vraiment pas. Ah, puis éjacule, puis fait Chewbacca. Genre, fucking épeurant. Le monde va bien. Le monde va super bien. Ça va trop loin. Je trouve ça beau de voir ça. Beau d'abonner, pas aimé. J'ai décidé de repartir du bord avec un danseur nu du bord auquel j'avais passé la soirée. Il était vraiment beau et on dirait que j'avais le goût de vivre l'aventure, de coucher avec un danseur une fois dans ma vie. Mm-hmm. En plus, il était tout le temps après moi alors qu'il y avait plein d'autres filles dans la salle. Rendu chez lui, je remarque qu'il a des LED lights qui changent de couleur sous la base de son lit. On restait dans l'ambiance du club. Et elle a même mis la parenthèse, on aurait dit des souliers pour enfants qui s'allument dans le cours. Ou comme une civique de douchebag, là, il y a des néons en dessous. Ça fait avec le personnage. Ah genre. Ouais, vraiment. Il y avait aussi un miroir au plafond et sur le mur de son lit. J'en conclus que c'est un habitué du sexe et que finalement, je ne suis pas si spéciale, mais je me lance quand même. Ah pendant oui, je suis pas si spécial, il est habitué. Le danseur nu. Mais là, c'est ça. Ça va, Calice. La gang. Oui. Écoute, moi, il me regardait dans la salle plus que les autres filles. Je dois être the one. Je suis la prochaine mère de ses enfants. Pendant l'acte, je sens qu'il agit comme dans un scénario de corn et qu'il lance des phrases clichés malaisantes. Je regarde le miroir au lit et je me rends compte qu'il se regarde et se parle à lui-même dans le miroir. Love it! Je mourrais de cringe. Il a fini par venir en criant son propre nom. Non. Allô, le narcissisme. Non. À quel point tu t'aimes? Voyons donc. Oh non. Criez-vous des affaires, vous, lors de l'orgasme? Non. Genre des bruits, mots, là. Des bruits, mais pas des non, mots, des là. Non, des mots, non. Mais elle, sûrement, est vraiment... Ah! Genre, pourquoi t'assumes des affaires? Mais ça, c'est vraiment ton genre, là. Pas mon nom, en mode pour l'instant. Qu'est-ce que tu dis, genre? On veut savoir. Ben, rien en particulier de comme... Ça, c'est ma phrase de quand je comme. J'ai pas mon rituel. J'aime mon le blé d'aime! Tu vois, l'épicerie coûte cher de cet ancien, oh my god, ouais. Mais dans son propre comme nom, elle imagine, il est là, puis il est comme. Charles! Ouais. Ok. Genre, tu te félicites en ce moment. Ouais, c'est bravo, ça. Mon homme. Oh lord. J'ai un gars, moi, qui faisait. Et tabarnak de calice de. Tu sais, il sacrait comme. Comme ben, on s'est correct. Genre, j'ai dû mettre de quoi, mais il sacrait comme un nasty truc. Juste quand il venait ou tout le long? Non, quand il venait. Ok. C'est comme, okay. C'est correct. Je comprends. C'était un bûcheron. Un bûcheron des années 1800 qui colonisait Saint-Adèle, c'était dans le nord. Je ne sais pas, c'était quelque chose. Donc, avant de passer à la prochaine histoire, je me dois de vous annoncer la merveilleuse nouvelle. C'est quoi? Non, que pas. Grâce à Eros et compagnie, vous pouvez courir la chance de gagner une carte cadeau de 50 $. Oh my pardon! God. I know! À utiliser sur le site web ou en magasin. C'est trop sick. Donc, pour participer, vous avez juste à aimer et commenter cette vidéo. Mm-hmm. Allez suivre Eros et compagnie sur Instagram ainsi que Un Potin avec ça. Mm-hmm. Et on va faire tirer la carte cette semaine. Ouais, faites-le, c'est cool! Et pour nous inspirer un petit peu, on a un jouet à déballer. C'est comme Noël, mais c'est des vibrateurs. C'est Noël, donc, mais en mieux. C'est Noël, mais en mieux. Ouais. Je vais te laisser la petite carte, tu vas pouvoir nous lire ça. D'accord.
Salut les potineux! Eros et compagnie vous offre aujourd'hui le complice. Il s'agit d'un strap-on double. La personne qui le porte va donc insérer la plus petite partie dans son punani pour ressentir la suction clitoridienne et la vibration interne alors que l'autre personne se fera pénétrer par la partie phallique vibrante. Ah, l'idéal... OK, c'est ça, c'est pas une ceinture, là. C'est vraiment... Mm-hmm. Il est branché dans... C'est un double. L'oublier. On va l'oublier. Oh, l'idéal pour que les deux partenaires aient un orgasme synchronisé. Ah! Non, mais c'est quand même fou. Ah, on n'arrête pas le progrès. Tu vois, non, avant, il fallait ça s'attacher avec une ceinture. Puis là, t'as la, t'as la petite balayeuse. Ah non, c'est comme la petite langue, là, la langue à clip. Ben oui, c'est comme une langue qui fait ça comme ça. Non, mais il va falloir que je convainque mon chum à soir. Ben oui. Si je ne m'abuse, sur mon podcast en deux lèvres, Eros nous avait donné ça à l'épisode de Mike Ward. Oh. Et Mike Ward l'a déballé, l'a utilisé pour brasser son drink, l'a mis dans sa gueule et l'a donné à une table de lesbienne après dans C'est excellent. Ben oui, une pièce d'anthologie. Oh my god. Oui. C'est dans un musée, hein, maintenant. Oh, c'est allumé? La petite langue, elle m'a chatouillé. Je pense que quand tu fais 3 secondes... Touche! Ok, ça y va vite, là. Oh my god, ben non, mais là, c'est sûr que ça, ça... Ben oui. Ça doit quand même te faire un petit... Ça doit te décaper un peu. C'est les foreuses, là. Très doucement. C'est les foreuses à Val d'Or. Ça te fait un Prince Albert, là. Ouais, mais ne serait-ce que mettre un peu de margarine avant. Exactement. Pour... Mais hey, tantôt, c'est drôle. Tantôt, on a eu Kate Lessard qui nous a expliqué qu'elle a déjà eu... Si on entend le... Elle a déjà eu... On va faire du ASMR juste une petite seconde. Sentez-vous votre... Êtes-vous genre tout trempé? Kate Lessard, elle disait quoi? Elle disait qu'elle a eu une date avec un gars qui s'est rentré un dildo dans les fesses, mais avec la margarine. Il l'a trempé dans la margarine et il s'est rentré ça dans le poteau. Ben, les moyens du bord, I guess, là. Mais... Les temps sont durs. Tu sais, quand il y a une grosse pénurie de l'eau. Là. Mais après, ton chum goûte la toast, c'est le fun. C'est ça, j'ai dit le lendemain matin, là, quand tu veux te faire à déjeuner. Ouais. Hein, on kiffe la margarine. Effectivement. Bon matin. Sachant qu'il y a un bas de plat qui a passé dedans la veille. Peut-être moins. C'est ça. Oh my god. Ah ouais, j'ai jamais utilisé de... Hey, il y a même un design de veine pis tout. C'est vraiment hot. Puis la texture est full nice. Pas trop gros aussi. Donc, on apprécie des fois d'avoir des. Ouais, effectivement. Les trucs qui sont... Félicitations, Eros. Bravo. Bravo. Merci. C'est le fun, j'aime ça. Ils m'ont donné plein de jouets parce que ben, mon podcast, c'était super. Ben pas. Oui. Il y en a, je goûte à tout. Tu sais, j'ai tout essayé. Moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est le bout où t'as terminé, t'as eu beaucoup de plaisir. Le bout où tu fais ta vaisselle. Ouais, tu laves tes bébelles. Je suis comme, ça remet. Ça, tu redescends super vite à la crise. C'est tellement vrai. Ça fait capoter. Ouais. Tu sais, les tubes à queue, là, les thermos, là, qu'on dirait que tu spaghettes finalement. Ah, c'est une noune, genre. Ça, faut que tu le nettoies dedans. C'est long, là, c'est un projet. Enfin, je me livre, tu trouves. Mais non, on peut pas tout, on est même. Fait que c'est ça qui conclut. Bye. Mais non, pas pantoute. Hey, mais non, c'est le fun là, d'utiliser ça. Ça l'émancipe ta sexualité. On adore. Oui, absolument. On absolument. Aime. Nous autres, on va ramener ça chez nous, puis on va vous dire à la fin, à l'épisode final, comment qu'on a trouvé. Regardez ça. Les commentaires, là, on va l'écrire en commentaire. On va vous dire ça. Il sera même c'est ça. Ben, Mona, c'est à toi. On a d'autres histoires. Ok, il y en a d'autres. Oui, ça finit pas. Ok, parfait. Ça finit pas de finir. J'étais chez un gars de mon cégep que je connaissais un peu, puis on s'était dit que j'allais aller chez lui ce soir-là. Bon, la prémisse est assez efficace jusqu'à maintenant. Oui. Donc, je suis chez lui. Il me glisse dans une phrase qu'il est vierge, ce que je respecte à 100%. C'est pas ma première relation sexuelle, donc je me dis, le gars est cute, let's do it. On est en train d'écouter un film, puis là, zéro naturel, il m'embarque dessus et se met à me frencher sauvagement, comme dans une vidéo de porn. Okay. Donc, déjà là, je suis caught off guard, et après ça, on se déshabille pour commencer les préliminaires. Je me dis, c'est sa première fois, on va faire ça doucement. Et il me dit, non, c'est correct, pas besoin de tout ça. Girl. Ouais, guys. Pas besoin des préliminaires. Non, okay, non. Fine. C'est un homme en fer. Ouais, je commence à être mal à l'aise. Il s'installe pour l'acte, mais son membre est mou en majuscule. Il est mou! super compréhensible, je lui dis, c'est pas grave, ça arrive, on peut continuer à s'embrasser si tu veux, en me disant que des préliminaires, ça l'aiderait peut-être, mais il continue d'essayer de rentrer son membre mou en se fâchant. La gang. Ça marche pas. J'ai chaud de malaise. Moi aussi. Puis il me dit, je te jure que je suis pas gay, là. Oh mon Dieu.
Ah mon dieu. Même chose, je suis pas gay parce qu'il ne mordait pas sur la tête. Ouais, mais elle, c'est hot provoke, là. Donc, ben oui, you know what, ça sent le garde-robe à plein nez. Ouais. Tu sais, le garde-robe en serre avec la boule à mine. T'as besoin de le dire, genre. Je te jure, genre, je te jure, je suis for real, Pinky. Ouais, il frappe son petit chewing-gum mou, asti, sa fille qui rentre pas, puis il crie hot provoke, je suis pas gay. Girl, let's be real. Side eye. Méga gros malaise, j'ai dit, hey, regarde, c'est pas grave, on fera ça une autre fois, sans stress. On s'est rhabillés les deux, je suis parti direct chez nous. Okay. On s'est revu après pour réessayer, puis après l'avoir fait, il est allé sur Snapchat, a pris un snap de ma chambre, l'a envoyé à ses amis avec la caption « Première baise, check ». Non, non, non. « Pire baise de ma vie, on s'est jamais reparlé après ». Non. Le bout de la fin, why, OK? Déjà, elle a un gros dossier sur toi, puis lui, il est comme « Hey, j'ai une idée, je vais l'envoyer à tout le monde ». Ah ouais. Ouais, première c'est baise, check. Ouais, c'est surtout vrai, que la fille, elle le voit, genre. Elle a du compromettant ben aussi, oui. Là. Tu fermes ta gueule, tu retournes chez vous puis tu le dis à tes amis en privé. Mais sinon, ton histoire se ramasse dans un podcast. Fait que rien. Voilà. J'espère que ça donne des coups qui se reconnaît parce ben, que la France, je te juge pas gay. Ça va-tu, tabarnak? À quel point t'es fragile, hostie? Ah, ah ouais, ouais. Il est dans la gang de ceux qui commandent sur Facebook que les dragues, on est des monstres. Mon hostie, non, c'est pas vrai. Je pars. Il pète les caméras. Oh, mon Dieu. Moi aussi, j'ai comme un coup de chaleur. Ah, j'ai super chaud, mais moi, je suis pas en forme. Je dors pas, je mange mal, je fume, me garde. C'est la ref. Je suis de l'oppression. C'est un podcast qui tourne mal. Mon homme meurt sur place. Ça serait malade quand même. J'adorerais ça. Au moins, tu mourrais avec un double strap-on de chez Iris et compagnie. Ouais, je t'assise dessus dans le moment. Là. Laissez-moi mourir sur scène. Devant les projecteurs. Mais je vais m'éventer. Ça vous dérange pas? Parce que là, moi, je suis toujours gêné. Mais ça, en plus, ça fait une belle pub à Juliette. Ouais, je suis toujours la plus graisseuse de la place. Ça s'en vient, moi aussi. J'ai couché avec un gars qui m'a demandé de porter une cagoule pendant qu'on le faisait. Ouais. J'étais genre « OK », jusqu'à temps qu'il me demande de mettre son stock de football pour l'exciter. C'était un peu trop pour moi. Si tu veux coucher avec tes amis de football, fais-le. Mais malheureusement, je ne suis pas la bonne candidate. C'est une fille. Oui. Mets-toi une cagoule. Je suis comme « OK, comme, drôle. T'as le goût de coucher avec le voleur d'un Sims, tu sais, je sais pas. » Fine, mais là, le kit de football en plus, quand même. Il était comme, je pourrais juste t'appeler Benoît aussi. Ouais, c'est ça. Genre, j'aimerais pas savoir, t'es très féminin, donc voici cette cagoule. Là, je vais te mettre le des casque. Grosses astis d'épaule, un casque. Ouais. Fais donc un hot. Ouais. Mais genre, le voix la plus grave que t'as, là. Genre, bicheté de l'Ancton style, mettons, t'es-tu capable? Non. Hot. C'est un peu gênant. Mais ça dit pas si elle l'a fait par contre. Ouais, hein? C'est ça, des fois, il manque la fin, puis on est comme, OK, mais. On veut savoir comment c'était. Mais peut-être pas ça dans la vie, là, tu sais, écrire des histoires. Fait. Ouais. Mais ben non, mais c'est ce qu'on veut savoir. Tu l'as-tu fait ou tu l'as pas fait? S'il l'avait pas fait, il l'aurait écrit, tu sais. C'est ça. Mais ben, c'est peut-être un livre dont on est le héros, hein? Quand on décide de la fin, tu sais. C'est pas vrai, je comprends. Bon, j'étais avec mon ex quand ça s'est passé. Un beau jeudi soir, parle-pas de Georges, on fait nos petits trucs, et à un moment donné, il est par-dessus moi et il commence à se frotter. Mais j'en fais pas de quoi, tu sais, tu fais ce que t'as à faire, mon beau. Au bout de 2 minutes, et je pense que je suis généreuse, là, il fait un petit gémissement, mais encore là, je me pose pas trop de questions, quoique ça aurait été un bon moment. Là, il me regarde vrai dans les yeux et me demande si j'ai fini. Avec les yeux remplis de confusion, je lui demande c'est quoi qu'il veut dire. Il m'explique que lui, il a fini, il voulait savoir si j'allais venir dans pas long. C'est à ce moment-là que je lui explique que de mon côté, j'attendais encore qu'il se passe quelque chose, puisqu'on n'avait pas vraiment fait de préliminaires et encore moins de pénétration. Alors, crois-moi ou crois-moi pas, on s'est chicané par rapport à ça. Fragile. Il me croyait pas qu'il n'avait pas été à l'intérieur de moi. Ah. Alors, ça s'est terminé, un couché à côté de l'autre, lui boudait de son côté et moi, je contemplais mes décisions de vie. Fait que le gars l'a juste signé, puis il était sûr qu'il était rentré, puis la fille était comme « non ». Mais là, moi, dans ma tête, j'imaginais qu'il était habillé finalement avec la fin. Non. Mais genre, un moment donné, il est par-dessus moi, il commence à se frotter. J'en fais pas de quoi, je pose pas de questions. Fait que qu'est-ce que tu fais? T'es encore sur ton sel, tu le laisses se frotter. Genre, je comprends pas. Et là, game. C'est un moment-là, et ça switch. Moi, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un gars, il pensait me doiter, mais il était juste dans... À côté, ça a dans l'aine, genre. Puis, tu sais, tu veux pas y dire, genre. C'est parce que mon beau, t'es dans mon nombril présent. C'est ça. Puis là, je suis juste comme. Mais tu sais, je vais pas être comme. Waouh, meilleur temps de ma vie. Fait que j'étais juste genre. T'attendais, genre. T'as rien dit. C'est ça, mais tu fais, regarde. Moi, je sais comment faire, là. C'est tout le temps un petit peu gênant, ça. Ouais.
C'est pas arrivé juste une fois, là. Ah, ben voyons, les gars. Non, mais les gars, ils ont un peu de misère, les gars straight, là, surtout. Tu sais, quand c'est des premières fois, là, sont ouais, comme, mais là, la première fois, je comprends, là, que comme mais t'es comme... un peu déboussolé, là. T'es stressé, c'est la première fois que tu vois ça. Ben, là, on s'entend que c'est quand même une cuisse à la place d'un clito, là. Faut quand même ouais, valiser, faut le faire dans la cuisse, là, par exemple. Je comprends. Comme bien, bien d'à côté, là. Lord! OK, ben, mon âme, c'est à toi, je pense. Oh, short and sweet, celle-là. Ben oui. Un gars est venu précoce, s'est enfui rouge tomate aux toilettes et quand il est revenu, s'est excusé que... Voyons, bon, j'ai fait un ACV. S'est excusé que ça ne lui en ait pas pris gros, mais que si je voulais rester, on pourrait écouter Shrek! Ah, ah je suis désolé. Et comme pour vrai, ça m'arrive désolé, jamais. Mais... Et comme, oupsie, par contre, j'ai un plan B. Shrek. Shrek, un, deux, trois. Rien de plus non. érotisant. Sa fille était juste genre... Ouais... C'est, je sais pas à quoi qu'il a pensé. Tu pourrais te finir à mi-temps pendant que la tour All-Star à joue, tu sais. C'est vrai que Shrek est un peu sexy, tu sais, c'est bon. Pardon, as-tu vu la comédie musicale de Shrek? Non. Ils ont fait ça et les costumes sont terrifiants. C'est-tu des mascottes ou c'est vraiment des gens peinturés en vert? C'est la face peinture en vert avec tout un gros casque de tête de Shrek, les mains. C'est terrifiant, c'est ce qui t'accueille en enfer, là, ce petit monstre-là. Je vais vous sortir ça à l'instant. J'ai déjà fait des cauchemars. Quand j'étais jeune, je rêvais à Shrek, mais comme de façon cauchemardesque. Ah ouais. Mais oui, mais Shrek il est gentil, mais il fait quand même, il est sale, mais il fait non. peur, il a l'air de sentir mauvais. Moi c'est un peu une hantise, fait que pour moi j'étais comme... Fait que Smash or Pass, Pass. Ben aujourd'hui Smash. Tu smasherais Shrek? Ben. Mais non, Shrek qui Pass. Qui smash? Toi c'est Pass, toi? Ben oui, Pass. Ce Shrek-là, principalement. Oh! Là. Oh, hell no. Scary, non, scary. Celui-là passe. Ah oui, oui, oui. C'est quoi le débardeur en peau de serpent? Hein? Je sais pas. Yucky, ouais. Yucky, yucky. Les gens à la maison, allez voir Shrek comédie musicale, ah, le costume. Allez dans l'image, puis bonne chance. Bonne chance pour vos sommeils. C'est vrai. En fait, c'est avec mon chum. Oh, OK. Fait que c'est son chum en ce moment. Donc. Oh, oh. Notre première fois. On est bien gênés de la raconter, ok. Mais les deux, en gros, notre première fois se passait dans le temps du COVID et je l'habitais avec mes parents et les deux, nous n'avions pas de voiture dans ce temps-là. Au début, vu que c'était pas mal le début du COVID, oui, je pense qu'on a compris. Et tout, eh bien, on pouvait pas trop se coller. Non, c'est même pas ce qui est écrit. Moi aussi, je suis en train de faire un AVC. On pouvait pas trop aller chez moi, donc on se voyait juste proche de chez moi. Eh, hein, la syntaxe ici. Mais l'affaire, c'est que les deux étions vierges et on était vraiment horny. Donc, on n'a pas perdu de temps. Et la troisième fois qu'on s'est vu, on voulait le faire. Mais l'affaire, c'est que vu qu'on ne pouvait pas aller chez moi, on devait trouver une place. Et malheureusement et honteusement pour nous, on l'a fait dans une structure pour enfants. Ah! Non, je refuse. Oh, non, et oui, vous avez bien entendu. Nous l'avons dit à personne car nous étions bien trop gênés d'expliquer que c'est comme ça que ça s'est passé notre première fois. Clairement, c'était pas la première fois. De rêve comme je me l'étais imaginé. J'espère vraiment que quelqu'un a une histoire pire que la nôtre pour me soulager. Ben oui, la prochaine, c'est dans un centre de la petite enfance. Franchement, non, faut le faire, c'est weird. Ta première fois en plus. Mais à quel point t'es horny que t'es là dans un balançoire pis t'es comme, hey. Non, mais là, sûrement qu'il était comme en mode qu'il faut vraiment trouver un endroit extérieur. Un parc de personnes. C'est quand même un peu spécial. C'est la première fois, là, t'es dans le Païtset, dans le tour d'une glissade. C'était écœurant. En plein après-midi à 3 heures. Je me demande s'il était dans le module ou pas. Ben oui, sûrement qu'il se cachait un peu. Dans la grosse glissade jaune flash. Ouais, était, ouais. Le temps qu'il descende de la glissade, c'était fini. Ouais, assurément. C'est bon. Oh Lord. OK. Ouais. Je suis allée au restaurant avec mon père et ses amis de hockey, et un de ses amis que je connais depuis que je suis toute petite me parlait beaucoup plus que d'habitude. Il avait 20 ans de plus que moi, malaise, okay. Mais je le trouvais quand même chaud. Donc, je me suis dit que j'allais faire ma coquine. Je sentais un vibe. Ce qui est weird, c'est que je le connais depuis que je suis enfant et je l'appelais legit tonton. Okay. Personne ne fait ça appeler son oncle tonton, ici, là. Ben moi, mon oncle, ouais. Ouais. C'est appelle-moi tonton, nanana. J'ai coupé les ponts avec cette fois. Parce qu'il voulait que je l'appelle tonton. Okay. Après le souper, je retourne chez moi avec mon père et je me couche. Finalement, j'ai reçu un DM Instagram de tonton. Non, faut qu'il arrête de l'appeler tonton. I love it. Qui disait qu'il aimerait vraiment me revoir, mais en mode coquin aussi. Non. J'étais down, donc je suis allée chez lui en disant à mon père que j'allais dormir chez une amie. J'ai eu le meilleur sexe que mon punani a jamais eu. Ah et j'ai fini par le revoir en cachette pendant un mois. Après un mois, il a fini par me dire qu'il ne pouvait plus me voir chez lui parce qu'il faisait des rénaux. Okay. Un peu bizarre, mais bon. J'étais pas pour l'amener chez moi à côté de mon père, donc je l'ai juste pas revu.
Fast forward, un mois après, on va souper avec la gang de hockey de mon père. Le gars se pointe avec sa blonde. J'ai posé quelques questions et j'ai finalement compris qu'il était en couple depuis littéralement un an et que sa blonde était partie à Toronto pour sa job. D'où pourquoi je ne pouvais plus aller chez eux. Oh my God. Je l'ai jamais dit à personne, je suis tellement mal à l'aise. Non. Wow. Fait qu'elle a trompé. Il a trompé sa blonde avec. Mais elle a rien à voir, elle savait pas. Là. Mais non, c'est pas de sa faute. C'est l'ami de mon père. Je l'appelle tonton, il n'y a pas de lien de temps, mais il est chaud comme. Ouais, you go aller. Girl. Ça, je trouve ça tellement bizarre, les gens qui ont vu. Tu sais, ils couchent avec quelqu'un qui ont vu jeune, genre. Ouais, mais comme, mettons là. Mais là, il y a 30 ans, puis il a vu la petite fille quand elle avait 10 ans. Ouais, mais la petite fille, elle a fait son cégep de son université. Tu sais, elle a, mettons, elle a quoi, 20, 25, elle voit putain, là, sa vie d'adulte. Oui, mais je trouve ça un peu bizarre que là, tu sais, tu l'as appelé mon oncle, genre, puis c'est comme. Mais pire, là, tonton, là, ça, c'est ça. Tonton, là, ça fait cochon. Genre, ça fait mon oncle pédophile. Ah ouais, là, il vient, ouais, tonton. Tonton, il y a des bonbons dans sa vanne. Ouais. Ok, c'était à moi? Ouais. C'est moi? Ok, mon Dieu, c'est la dernière histoire. On se gâte en dresse. Je vais en date avec un gars de Tinder qui était tellement chaud. On va au restaurant et la date se passe à merveille. On vibe. J'ai mangé, mais pas tant que ça. C'est important pour la suite. Ah, ben oui. Ça, c'est un truc, hein. Là, j'ai le nombre de fois que j'ai mangé, genre, une feuille de cake. Ouais, c'est ça. Puis t'es comme, non, j'ai vraiment pas faim. J'ai pas faim. Puis là, le l'autre gars, il est comme, bon, ok. On s'est parfait, on se comprend bien. C'est ça. Ouais. Kevin me demande si je veux poursuivre la date chez lui en mode olé olé, et je dis oui. On s'en va chez lui, on boit un verre et on commence à s'embrasser comme la tension monte. C'est fou. On commence à faire le cirque du soleil et finalement, un mal de ventre se met à me prendre, mais genre missile style. Yuck. J'avais jamais vécu ça, c'était incontrôlable. Je dis à Kevin que je dois arrêter parce que j'ai mal au ventre, mais le temps que je le dise, littéralement, j'ai expulsé tout ce que j'avais mangé en version liquide pendant qu'il était encore en moi. Oh mon Dieu. J'étais tellement gênée, je me suis excusée, j'ai couru vers les toilettes. Le gars disait que c'était vraiment pas grave, il était super gentil et compréhensif. Après que je me sois vidée au complet et lavée, je suis sortie et retournée à sa chambre, mais il était en train de jouer avec le cax qui avait coulé sur son drap. Oh non! Il y en avait plein les doigts. Non! J'ai figé et je lui ai crié après, mais je comprenais pas ce qui se passait, voyons. Turns out qu'il avait mis un laxatif dans ma bouffe au restaurant car il était scatophile. C'est wrong, c'est illégal. Et il avait planifié sa shot. Honnêtement, j'ai été traumatisée. Je croyais jamais que quelqu'un pouvait faire ça. Je l'ai ghosté, lol, oups. Non, pas de oups. Tu le ghostes pas, tabarnak. Tu l'accuses. Oh mon Dieu. C'est illégal. Ben oui. C'est illégal. Hey, merci, imagine comment tu te sens mal, puis là, t'es genre, oh my god, j'ai le chalot aux toilettes, tu reviens, puis il est comme, yeah! C'est ça, puis pendant que t'es aux toilettes, t'es comme, hey, il a été tellement compréhensif, il est fin, oh mon Dieu, mais peut-être que, tu sais, c'est un bon gars, puis tout, tu reviens, asti, il est à quatre pattes dedans, à jouer au Lego. Oh, sacrament que le monde est dégueulasse. C'est quand même horrible, là. Il faisait de la slime. Au début, sans borax, sans colle, sans colle. Il a son petit ring light, aussi. Il fait des lives TikTok de slime avec le ton. Là, c'est mort. Wow. Il a des paillettes. Oh non, le gars, il était tellement fin, il était genre, c'est tellement pas grave. Ben oui, j'étais comme rester plein de marde dans mon lit. Genre, ça me dérange pas. Ouais, c'est chill. J'étais déjà allé au festival du petit cochon graissé, puis ça être perpétue, c'est la même affaire. Mais au début, j'étais comme, ah, dommage, on peut pas tout avoir dans la vie. T'sais, le gars, il est fucking chaud, mais il s'appelle Kevin. J'étais comme, ça part déjà prête à passer par-dessus le nom, mais finalement. Un Kevin scatophile qui drogue sa date. Oui, c'est surtout ça. Peut-être que c'est un peu trop, là. Mais je comprends pas, est-ce qu'il se dit, c'est pas du GH, c'est chill, genre, c'est pas chill. Ah non, c'est fucking wrong. Ah ouais, c'est terrible. Les gens à la maison. De grâce. De grâce. Ah mon Dieu, c'était prévu. Imagine, tu peux pas l'anticiper là, tu sais. C'est rodé ce soir là, c'était pas la première fois qu'il le faisait. Mais non, c'est ça, c'est sûrement son sa petite shot de. C'est rodé là, c'est il est habitué là. Ah. En tout cas, je vais essayer de watcher mes plats la prochaine fois. Je vais faire pour le GH, mais aussi pour les laxatifs, guys. Ouais. J'avais jamais pensé à ça. Honnêtement, j'avais jamais pensé que quelqu'un pourrait faire ça. Non. Ah mon Dieu, c'est terrifiant par exemple. Le monde me fait peur. Là, dans la vie. Là mettez-vous pas à faire ça. Je peux pas le dire assez. C'est illégal, sacrément. J'en reviens pas. Elle a déjà les ghostés. Là, t'as plus à faire que le ghosté. Ben oui. Get his money. Expose-le. Get that back. Yeah. Honey, boo-boo.
Ben, c'était l'histoire finale. Ça a fini sur ça. On aime ça. Hey, merci, mon nom, d'avoir été avec nous. Merci à vous autres. C'est un sincère plaisir. Ben, c'était tellement le fun. Et puis, on peut te suivre sur les réseaux sociaux via les liens qu'on va mettre dans la description. Absolument. Allez la suivre. Oui. Et sinon, vous pouvez nous suivre, moi et Pascal, si ça vous tente. Oui, bien sûr. Ça vous tente pas, allez aussi. Sinon, on risque de vous extorquer de l'argent. voilà. Merci à Eros et compagnie de présenter le podcast. Et n'oubliez pas le code promo POTIN15 pour 15% de rabais. Merci à Fervido. Merci Juliette. Ben oui. Ça fait changement parce que le monde qui sont bien fans d'habitude, ils m'achètent des shooters puis genre je bois moins maintenant ouais, qu'avant. C'est fait que je suis comme c'est juste ça fit là, mais genre, j'adore ce petit collier. Un petit collier, on aime. Je vais le chérir toute ma vie. On adore, puis en plus, ces colliers, ces bracelets, ces bagues, on peut les porter sous l'eau. Ça, c'est nice. Ils rouillent pas. Oui, moi, j'y porte tout le temps, là, je me gêne pas. Puis ouais, dans la problème. Douche. Fait que ça vaut vraiment la peine pour ceux qui veulent des bijoux de qualité. Qui deviennent pas verts, qui ne font pas des ronds verts, ces doigts, ouais. C'est ça. C'est ça. Genre mes bijoux de drague. C'est ça. J'ai l'air de coûter cher, mais nu. Ce n'est qu'une illusion. Voilà. Et puis, le lien est dans la bio pour ça aussi. Et puis, mon nom aussi, on va te envoyer un lien de Clorane qui t'offre toute leur gamme de produits beauté. Encore 100 000 $! Hey, malheureusement... tu peux leur écrire, hein? On l'a à vie, nous ben l'avons oui, promis, sais. Tu le savais. Hein? Je sais. Hey, ça, on va pas le dire pendant le podcast, mais oui. Ah non? Ben qu'on l'a à vie. Ben c'est parce que, oui. On le mérite. Tabarnak, ouais, on a vécu la violence psychologique pendant 3 mois. Non, on le mérite. C'est vrai. Fait que là, ils vont t'en renvoyer encore. Ah, pour vrai, c'est fin. Pas merveilleux. Ils vont être tannés, je pense. Ben, c'est ça. Ils sont comme bons encore. Si mon âme a merde à non, mais les patchs pour les yeux, on n'en a jamais assez. Ils sont c'est tellement vrai, bons. Sérieux, un rêve. Les petits traitements de scalp. Il y en a qui rendent ton scalp tout frais. Wow. C'est un pré-shampoing. Ton scalp frais, on aime ça. C'est giclant comme produit. I love it. Ouais. Mais mon nom est réputé pour avoir un scalp très frais à Montréal. C'est vrai tout le monde parle de ça. J'ai vraiment giclant. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Je me livre. Je te jure, hier, j'ai vu ça à l'hôtel. Là, si je me peignais, là, je faisais ma raie de cheveux au centre et c'est une ligne droite. Et à ma nez, pic-pou, indicène, pas de cheveux. Je sais pas c'est dû à quoi, mais je fais avec peut-être cheveux. La cigarette que je fume, peut-être que c'est toute la drogue que je fais, je sais pas. Mais on le saura pas. OK, bye! Bye! Bye, la gang!